Bonjour à toutes et à tous, ici Jaco. Pour vous servir, aujourd'hui on se retrouve pour vous donner des nouvelles concernant la chaîne. Vous l'aurez sans doute remarqué, depuis août, il n'y a plus eu de sortie de vidéo. La raison est assez simple, mais tout d'abord j'aimerais commencer par vous dire un énorme merci à l'heure où je vous parle. Nous sommes 86 abonnés, c'est... ouf, juste énorme, j'aurais jamais pensé qu'on y arriverait. En plus, ma première vidéo qui est sur Pokémon épée a atteint plus de 1000 vues, donc ça paraît des petits scores pour vous, mais pour moi c'est une grande victoire, donc je suis très heureux sur ça, et je voulais simplement commencer cette vidéo en vous disant merci. Pour ce qui est de mon absence, je n'irai pas spécialement dans les détails, mais grossièrement, ça n'était pas tout rose. Actuellement, ma situation se calme un petit peu, et elle va me permettre de pouvoir reposter des vidéos. Cependant, je n'ai pas totalement une connexion appropriée pour sortir des vidéos, hein, donc si jamais sur mes rythmes de parution, donc qui est, je le rappelle, le lundi, le mercredi et le vendredi, il n'y a pas de vidéos qui apparaissent, c'est tout simplement parce que la connexion ne me l'a pas permis. Voilà, ça au moins c'est dit, vous y serez au courant. Pour ce qui est justement de nos let's play actuels, donc qui est Far Cry et Mario, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que Far Cry, je compte le finir, nous sommes pratiquement à la fin et j'ai très hâte de reprendre avec vous. Pour ce qui est de Mario, la pause m'a fait un peu réfléchir et je me suis dit que je n'avais pas forcément envie de continuer ce jeu. C'est un peu étrange, mais je me dis que si jamais je n'ai pas envie de faire un let's play, ou du moins je n'ai plus la passion de vouloir faire un let's play, je préfère arrêter là. Je pense qu'une des raisons qui m'a fait bien réfléchir, c'est que je n'ai pas forcément envie pour le début de la chaîne de produire des vidéos sur des jeux qui sont énormément longs et qui prendraient un temps fou à réaliser, parce qu'avec un rythme de parution d'une vidéo par semaine, pratiquement, vu que je fais plusieurs let's play par semaine, eh bien, on se retrouve avec beaucoup de vidéos et un jeu vidéo qui dure énormément de temps, alors qu'il y a d'autres jeux vidéo qui sortent et qui méritent d'être plus montrés. Voilà, donc malheureusement, je pense que je vais arrêter Mario. Une autre raison qui, bon, je vous le dis tout honnêtement, hein, c'est que le jeu, bien qu'il soit génialissime, je l'apprécie grandement, j'avoue ne pas être totalement fan des phases de combat. Pour tout vous dire, j'ai tourné un épisode avant même la pause où j'affrontais le premier boss de ce jeu, et je vais pas vous mentir que je n'ai absolument pas apprécié la manière de faire. Je pense que là, tout de suite, je vais vous mettre quelques extraits sans son bien sûr, de à quoi ça ressemble. C'est un gros foutoir, j'arrivais pas à me concentrer et en plus à tourner, parce que bon, bah je débute, hein, je n'ai pas forcément suffisamment d'expérience dans ce domaine là, je commence un peu. Vous l'aurez vu de toute manière dans certaines vidéos où j'arrête complètement de parler parce que je me concentre, parce que c'est la merde. Bref, du coup voilà, je décide d'arrêter Mario, je sais pas ce que vous en penserez, dites le moi dans le commentaire, mais voilà, je tenais à vous le dire. Par contre, pour ce qui est de Far Cry, je tiens à préciser que je n'ai sans doute pas reprendre tout de suite le let's play là où je l'ai arrêté, parce que comme vous le savez, et c'est ce qui me fait sortir de ma grotte, hein, finalement, Pokémon, le prochain et dernier peut-être DLC, va sortir dans très peu de temps, hein, dans 2 jours à peu près au moment où je tourne cette vidéo en fait. Donc voilà, j'ai très hâte de le tester. Je ne m'attends pas à grand chose parce qu'on a été sacrément déçus du dernier. Je pense qu'à la fin, je ferai peut-être une vidéo spéciale pour vous dire ce que j'en pense. Mais surtout, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'intéressant, à savoir un let's play Halloween. Hein. Halloween est une fête que j'apprécie grandement et qui ne se fête plus trop chez nous, mais bref. Donc voilà, je voulais faire quelque chose pour ça. Donc j'ai un petit jeu qui va sortir, un jeu indé, très rapide. J'aimerais potentiellement faire des vidéos plus longues pour vraiment le finir rapidement. C'est un jeu très très court et indé, donc vraiment c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, donc là-dessus j'espère que ça vous plaira. Mais encore une fois, je vous le rappelle, si jamais sur les rythmes de parution une vidéo n'apparaît pas, c'est tout simplement parce que je n'ai pas pu la poster faute de connexion internet. Voilà. En attendant, je vous remercie fond du cœur de ce que vous m'avez apporté jusqu'à maintenant. J'espère qu'ensemble nous arrivons à faire grandir cette chaîne et qu'elle pourra s'épanouir avec beaucoup plus de projets. Hein. Je sais que, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai ressorti une vidéo durant l'année qui s'appelait Kezako, qui est un projet de vidéo qui me donne envie. J'ai envie de beaucoup écrire là-dessus, j'ai envie de faire quelque chose de vraiment intéressant, j'ai envie de vous le proposer. Alors c'est un projet qui doit grandir, qui doit mûrir, et voilà, j'espère le faire grandir avec vous et qu'ensemble on arrive à faire quelque chose. En attendant, n'hésitez pas à partager ce que vous pensez dans les commentaires, je les lirai toujours bien sûr. Et enfin, je finirai juste avec une dernière information. Je sais que Pokémon est beaucoup apprécié sur cette chaîne, vu du nombre de vues que j'ai sur chacun des épisodes de la série, et merci encore, hein, bien sûr. Malheureusement, j'ai envie de créer une chaîne YouTube qui regorge de plusieurs jeux, de plusieurs types de jeux. Donc malheureusement, je ne peux pas me pencher exclusivement sur Pokémon, bien que le jeu soit à ce niveau où j'en suis une religion presque. Voilà, donc je pense que le message est compris, je vais clairement faire beaucoup plus de contenu sur Pokémon, il faudra que je réfléchisse de ce que je peux vous proposer. Et justement, après le let's play sur Pokémon du dernier DLC, le spécial Halloween et la fin de Far Cry, nous entamerons, et je vous le dis tout de suite, un nouveau let's play Pokémon en Random Nuzlocke Challenge. Donc tout sera potentiellement randomisé, j'ai pas encore établi ce que je vais faire exactement, sur la ROM Pokémon Emerald
plus. Voilà, donc on me l'avait cité dans les commentaires du let's play Pokémon. C'est un challenge qui me donne très très envie, qui me donne beaucoup envie. En plus, je retourne sur mes terres natales, hein, Pokémon Emerald, la 3e génération, meilleure génération, je ne veux rien entendre sur cette chaîne. Je tolère la 4e génération si vous voulez. Mais voilà, bref, en attendant, je suis très très heureux de reprendre les vidéos avec vous. Sincèrement, ça m'a manqué. Je me suis rendu compte que j'appréciais énormément ça. Chaque jour, sans trifouiller dans mon logiciel de montage, me faisait de la peine. Bref, en tout cas, ça, maintenant, c'est fini. J'espère que ma situation se calmera vite et que j'arriverai à trouver une solution plus durable pour reprendre pleinement les vidéos avec vous. Bref, c'était Jaco pour vous servir. On se dit à la prochaine pour le début du Let's Play sur Pokémon Épée pour enfin découvrir le dernier DLC. C'était Jaco, allez, ciao ciao et passez une agréable fin de journée. Des bisous.